saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Alléluia. Nous avons parlé des malédictions de l'homme. Et ce soir, nous allons continuer avec ce thème. Nous avons dit que la première personne qui a maudit sur la terre, c'était Dieu dans Genèse chapitre 3. Et le premier homme qui a maudit sur la terre, c'était Noé dans Genèse chapitre 9. Parce que son fils s'est moqué de lui, il ne l'a pas couvert avec un manteau. Noé a maudit Canaan qui était le descendant de Cham. Il a dit que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Lorsqu'on parle des malédictions, nous disons toujours que plusieurs disent que ce n'est plus d'actualité, mais nous disons les malédictions ne sont pas d'actualité parce qu'il faut prêcher ou ne pas prêcher dessus, mais c'est d'actualité parce que les gens vivent les malédictions chaque jour. Et il faut expliquer ces thèmes pour que les gens comprennent qu'il faut s'en défaire. Lorsque Balak veut combattre et terrasser le peuple de Dieu, Balak demande à Balaam de maudire le peuple de Dieu pour lui, parce qu'il savait que la malédiction entraîne l'impuissance, la malédiction entraîne les blocages, la malédiction entraîne l'échec. Nous voulons parler ce soir des mauvaises compagnies. Il y a des gens avec qui vous marchez qui ne seront pas favorables pour votre avancement. Beaucoup veulent se marier ou beaucoup sont mariés, mais ton époux, ton conjoint, ton épouse a des mauvaises pensées, a des mauvaises déclarations, a des mauvaises paroles. Que tu montes, tu descends, ça va te créer toujours et toujours des problèmes. Le choix d'un conjoint, le choix d'un partenaire, le choix d'un collaborateur est très important parce qu'il y a des gens qui déclarent des paroles qui vont vous entraîner dans des problèmes terribles. C'est encore même mieux de savoir qu'ils ont déclaré ces paroles. Il y a d'autres personnes qui déclarent des paroles sur votre affaire alors qu'elles sont très éloignées de vous. Je veux dire, elles le font dans le secret. Matthieu chapitre 12, verset 34. Jésus s'adresse aux pharisiens, Jésus s'adresse aux juifs, et il dit quelque chose. Matthieu chapitre 12, verset 34. Il est écrit, race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Race de vipères. Nous savons que la vipère est un serpent très, 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 très venimeux. Et Jésus compare les hommes, il fait une comparaison entre les hommes de cette époque et à la vipère. Et il dit, comment est-ce que vous pouvez dire des bonnes choses? Parce que vos cœurs sont déjà infectés. Église, je veux te dire ce soir de toujours et toujours vérifier avec qui tu marches. Et comment vérifier le cœur de la personne avec qui tu marches? C'est en écoutant les paroles qui sortent de sa bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette personne qui est toujours en train d'essayer de te décourager lorsque tu as un projet. Cette personne qui est toujours en train d'essayer de te dénigrer lorsque tu es motivé. Fais attention, Église. La victoire, le succès n'est pas réservé à tout le monde. Il y a des gens qui sont sur la terre, ils sont venus sur la terre. C'est comme je parlais dernièrement, je blague avec une personne. Il y a une classe d'Aoussa. Leur travail, c'est de venir en ville et aller habiter dans les maisons abandonnées déjà. Ils n'ont aucun problème. Eux, leur problème, c'est de trouver une maison abandonnée. Ils mettent les rideaux. Et avec leurs femmes, les enfants, ils ont beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas de problème. Et le soir, ils ont un coin où ils peuvent boire le bili-bili. Donc, ils n'ont pas de projet de devenir grand milliardaire, béni, agent. Ils n'ont, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de trouver un coin où ils peuvent vivre bien tranquillement. Ils boivent leur bili-bili le soir. Ils sont tranquilles. Donc si toi tu aspires à la grandeur et tu marches avec le genre de personne là, tu es mort. Est-ce que tu sais que tu as des projets que certaines personnes, si ils écoutent, ils vont dire que tu es extraterrestre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si une personne n'a pas les mêmes motivations que toi, ne marche pas avec la personne.
Si une personne n'a pas les mêmes visées que toi, ne m'assois avec la personne. Vous vous alliez à des personnes qui n'ont aucun projet de Dieu. Leur problème, ce n'est pas d'aller au ciel. Leur problème, ce n'est pas le salut. Leur problème, ce n'est pas la vie éternelle. Parce que ça doit être notre problème principal d'abord. Avant de parler d'argent, de voyage, grandeur, gloire, notre premier projet, notre premier problème, c'est le salut, l'espérance du salut, le retour de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui dans l'église, beaucoup, quand on parle de Maranatha, beaucoup de personnes n'ont plus ça à l'esprit. Jésus revient, ça ne leur dit plus rien. Ce qui est présent dans leur cœur, c'est leur succès financier. Ce qui est présent dans leur cœur, c'est leur succès matériel, c'est leur succès marital. Et on a oublié l'objectif principal. Ce qui nous amène à l'église en tant qu'enfant de Dieu, c'est le retour de Christ. Il a dit, allez, attends, je reviendrai. On doit attendre. Donc si tu marches avec des gens qui, premièrement, n'ont pas ça en l'esprit, c'est un problème. C'est un problème. Et tout à l'heure, je parlais des codes de motivation. Un code de motivation va te motiver à gagner l'argent, va te motiver à travailler, va te motiver à te battre pour réussir, va te motiver à faire un bon mariage. Mais un code de motivation ne va pas te dire que Jésus revient bientôt. Donc, et beaucoup de pasteurs que nous sommes aujourd'hui, on joue le rôle des motivateurs et non le rôle des pasteurs. Je ne suis pas venu seulement te motiver pour que tu réussisses, mais je suis venu te motiver pour que tu t'attaches davantage à Jésus. Que tu cherches davantage ton salut. Et que tu vérifies chaque jour que tu sois réellement né de nouveau. Et que ta conversion soit totale et non une conversion partielle. Parce que tu le veuilles ou pas, pendant que tu avances dans ta marche chrétienne, le diable va te flécher. Mais pendant que tu avances, tu dois enlever la flèche du diable et continuer ta marche avec Christ. Race de vipère que vous êtes, est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses? J'ai une question à poser à l'église ce soir. Est-ce que l'église, toi qui m'écoutes, qui me regardes ce soir, est-ce que tu sais encore dire de bonnes choses? Ce qui sort dans la bouche des gens maintenant, c'est dénigrer, insulter, humilier, saboter. Jésus a eu le même problème qu'on a aujourd'hui. Premier réflexe, quand tu vois cette fille, tu apprécies son habillement ou bien tu dénigres la chaussure. Avant de voir que la chaussure n'est pas bonne, tu n'as pas aussi pas bon vu que l'habit était bien. Race de vipère. Avant de voir que sa chaussure, son habit n'est pas bien, tu peux avoir apprécié la chaussure. Faites attention, je l'insiste depuis quelque temps dans cette église. Faites attention avec les gens qui ne parlent que du négatif. C'est leur cœur qui est comme ça. C'est leur cœur qui a des problèmes. Car c'est de l'abondance du cœur. Ce qui sort de là dans la bouche n'est qu'une infime partie de ce qui est logé dans le cœur. Donc quelqu'un vomit des choses négatives sur les autres, c'est que son cœur est rempli de ces choses. Pouvez-vous encore dire de bonnes choses? Est-ce que vous pouvez encore prophétiser de bonnes choses sur l'église du Cameroun? Ah, il faut que Jésus revienne. Il y a trop de méchanceté. Ah, l'église est gâtée. Qui va arranger l'église, ce n'est pas toi. Vous pensez que Dieu va arranger l'église sans passer par toi? Qui va rendre les choses ordonnées dans l'église, ce n'est pas toi. Ah, c'est trop. Il y a trop. Les pasteurs vraiment dérangent. Tu es vraiment devenu n'importe quoi. De l'arnaque. Du laisser aller. Quand tu les écoutes parler avec une telle arrogance, et parfois on les regarde comme ça, on dit, mais attends, toi tu vas faire quoi quand? Le laisser aller là est là parce que toi tu n'as pas fait ton travail. Ces pasteurs prêchent mal parce que toi tu ne prêches pas encore. Ces pasteurs prophétisent au faux parce que toi le vrai prophète tu es encore dans ta chambre en train de jouer au Candy Crush. Donc tant que tu ne sors pas de ta chambre, tu arrêtes de jouer au damier, ils vont continuer à prêcher faux. Jésus pose la question, est-ce que vous pouvez encore sortir de bonnes paroles? Nous sommes dans un moment où nous parlons de la bonne nouvelle. Jésus, son premier message, c'était dit, donner la bonne nouvelle. Donc Jésus est un message qui est en antagonisme avec le message des pharisiens. Et leur travail, c'était de rappeler que vous êtes des pécheurs. Et leur travail, c'est de rappeler que vous allez à l'enfer. Le travail des pharisiens, c'était de dire, tu es prostitué, tu es un voleur, tu es un menteur et tu vas mourir. Le travail de Jésus, c'est que je te rachète, je te libère, je te nettoie, je te délivre. Voici la bonne nouvelle. Yes.
L'évangile que nous devons prêcher, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. C'est de dire les bonnes choses sur tes enfants, dis des bonnes choses. Ton mari est encore têtu, dis des bonnes choses sur lui. Dieu ne te donnera pas un mari parfait, non. Il ne te donnera pas une femme parfaite. Parce que si tu donnes une femme ou un mari parfait, il n'y aura pas ta part en la personne. Il faut que tu mettes la main dedans. La première femme qui est créée s'appelle Ève. Adam dormait pendant que Dieu la créait. C'est pour ça que quand Ève a dérangé, Adam a dit c'est la femme là, c'est pas moi, c'est toi qui l'as créée. C'est toi, quand tu l'as créée, j'étais pas là. Donc maintenant Dieu ne donnera plus la femme à un homme dans son sommeil. Non, il faut que tu te réveilles et que tu mettes ta main dans l'affaire, que tu la prépares, que tu l'équilibres, que tu l'éduques, que tu la fasses avancer. Non, Dieu m'a montré les rêves, ma femme, mon frère, c'est pas Dieu. Dieu va te donner une femme que tu vas, à qui tu vas donner une éducation. Tu lui dis, Mako, on ne mange pas avec 2 jours. Il y a des filles comme ça ici. Elle mange avec 3 jours. Elle rit aux éclats en plein carrefour d'Aïdo. Comme une fille de PK24. Moi, je ne parle plus de PK12. Donc quand tu rencontres la qualité de filage là-bas, pas, dis que non, c'est le Seigneur m'a mis à côté de toi pour te donner l'éducation. Il y a des filles sauvages, mais elle a quelque chose de Dieu en elle. Mais apparemment, elle est sauvage. Elle joue au foot avec les garçons. Elle joue au jambo avec les garçons au quartier. Mais c'est ta femme que Dieu t'a donnée. Maintenant, c'est à toi de la prendre et de lui déclarer sur sa vie les bonnes choses, les bonnes paroles pour la tailler à tes mesures. Il y a des gars délinquants, mais ils ont Dieu en eux. Il y a des gars même paresseux, mais ils ont Dieu en eux. Tu le prends, tu fais de lui, parce que lui n'est pas homme, il est garçonnette. Donc comme c'est un garçonnet, tu fais de lui d'abord un garçon, après tu fais de lui un homme. Tu dis, mon petit, voilà comment porter la veste, voilà comment on agence les couleurs, voilà comment on nettoie une chaussure, voilà la démarche d'un vrai homme. Marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça. Parce qu'il y a les faux gars, hein? Ils marchent comme... Il marche comme le pont. Quand toi-même tu marches avec lui en route, tu dis que Seigneur, tu vas donner quelle qualité de pont comme ça. Et maintenant, comme toi tu es stylé, tu dis que bon, il marche derrière moi, il marche devant. Et tu le prends comme ton cousin. J'ai vu un pasteur à l'église appeler sa soeur, sa femme, soeur. Donc lui-même, il avait tellement honte de sa femme qu'il appelait sa femme soeur. Bon, je donne un prénom comme ça, Pascaline. Donc il dit, soeur Pascaline, viens. Si toi tu es pasteur, tu appelles ta femme soeur, nous les autres qui ne sont pas pasteurs là, tu vas nous encourager à nous marier comment? Donc lui-même il a tellement honte de sa femme, il dit Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire? La femme s'y meurt même. Lui, il y a des pasteurs qui prient que leur femme meurt parce qu'ils se rendent compte que ce n'était pas son calibre. Parce qu'en fait, il a eu la femme là qui n'avait pas l'argent. Et quand il a eu l'argent, il s'est rendu compte qu'il était mignon. Beaucoup de gars se surprennent en train de devenir beau parce qu'ils ont l'argent. Ce sont les faux types. Si tu as dit que tu la prends maintenant, non, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Dis ça bien, dis que c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Là, les frères ici, là, il a. Église, à la chapelle de la gare, si tu as dit à une soeur que c'est bon, non, c'est jusqu'à la gare, tu ne changes plus. Tu ne changes plus. Parce que, alléluia. Donc Dieu te donne une personne et tu la travailles. Tu lui apprends des choses. Parce qu'il y a tout sur Internet, par exemple. Tu parlais sur Internet et tu vois comment on attache la cravate. Il y a des gars qui ne connaissent pas attacher la cravate. Hein. Ils attachent ça comme si c'était la corde de la chèvre pour qu'on allait tuer le jour de la tabaski. Tu as la qualité de mari comme ça. Dis-lui que chérie, voilà comment on attache. Ce n'est pas qui te dit, ma chérie, choisis-moi un peu une cravate là. Tu te réveilles, tu te dis, hey, tu es normal, tu vas me laisser dormir, tu es fou dans ta tête. Elle est sauvage. La copine de Vasti. Donc quelqu'un peut avoir quelque chose de bien, mais il a d'autres défauts
que toi-même tu dois transformer en avantage. Est-ce que vous là, vous pouvez encore dire de bonnes choses sur les autres? Dieu mettra sur ta route des gens qui ne sont pas parfaits. Mais si Dieu met un type de personne sur ta route, ça veut dire qu'il a déjà mis ce dont ils ont besoin en toi. Yes. Tes frères, même père, même mère, Dieu t'a permis de naître à côté d'eux parce que Dieu a mis quelque chose en toi dont ils ont besoin. Ça peut ne pas être l'argent, c'est cette capacité à donner les conseils. Ça peut ne pas être les conseils, cette capacité à intercéder. Est-ce que tu sais que prier est une grâce? L'intercession est une grâce. Tout le monde ne peut pas intercéder. Tu fais n'importe quoi. À 5 minutes, il est mort. Il n'a plus rien à dire. C'est pour ça qu'on les a habitués dans les religions à réciter. Et tellement ils sont habitués à réciter qu'ils ne peuvent plus prier de manière inspirée. Non, mais si toi, Dieu t'a mis dans cette famille et que tu sais intercéder, ne t'arrête pas, c'est ton travail. Ne dis pas que non, moi aussi maintenant je veux l'argent. Non, si Dieu t'a donné intercession, sois fidèle dans ton intercession parce que c'est en fonction de ça qu'il va te juger. Est-ce que vous pouvez encore, vous là, dire de bonnes choses? Tu arrives dans l'église, tu n'apprécies rien. Tout ton travail, c'est de dénigrer. Il y a des gens, au sortir du culte, ils font un autre culte dans le taxi. Tu as regardé comment la fille qui chantait, elle était habillée. Et vraiment, les églises maintenant, hey, Jesus, ils disaient qu'ils prêchent quoi? Les choristes sont mal habillés. Le pasteur d'abord arrogant. Ils méprisent tout le monde. C'est que l'église comme ça où il y a les ventilateurs. Ils veulent montrer que... Donc quelqu'un, il dénigre tout. Est-ce que tu peux encore dire de bonnes choses, mon ami? C'est celui qui pose la question aux pharisiens. Il vient se connecter sur le direct. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est de critiquer quelque chose. Et je vous ai toujours dit que le fait que tu critiques pour détruire ne va pas te construire. Toi, tu ne grandis en rien. Tu n'avances en rien. Tu n'évolues en rien pendant que tu critiques les autres. Rien. J'ai regardé il y a 2 jours une vidéo sur les francs-maçons. Je me suis rendu compte qu'ils sont plus critiqués que les gens des églises. Les satanistes sont plus critiqués, sont plus combattus que les gens des églises. Au point où dans les années 40 en France, il y a eu ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. On brûlait certains satanistes. Mais ils ne sont pas arrêtés. Donc c'est pour dire à ceux qui sont critiqués de ne pas s'arrêter. On critique les témoins de Jéhovah, ils ne s'arrêtent pas. Même les catholiques sont critiqués, ils ne s'arrêtent pas. Ceux qui vont chez les marabouts sont critiqués, ils ne s'arrêtent pas. Les prostituées, le plus vieux métier du monde, elles continuent à le faire davantage avec de nouvelles stratégies. À l'époque, elles se mettaient en route avec les mini-robes, les mini-jupes pour siffler, sip, sip, sip. Maintenant, elles ont développé une autre stratégie. Elles portent même le kaba, elles portent un bon habit. Elles font comme si elles prenaient le taxi. Donc, malgré le fait qu'on critique les prostituées, elles continuent à faire le travail. Malgré le fait qu'on critique les voleurs, ils continuent à faire le travail. Même malgré le fait qu'on intensifie et pervier, les voleurs du gouvernement continuent à voler. Toi, parce qu'on te critique, enfant de Dieu, tu arrêtes. Donc, je voyais la vidéo comment les gars se plaignent qu'on les sabote, on les sabote. Ils disent qu'on vous sabote, ce qu'on dit là n'est pas vrai. Mais bizarrement, malgré ce qu'on dit sur eux, eux, ils continuent à recruter. Et j'ai dit, mais pourquoi l'église comme ça, les gens sont critiqués, ils ont la honte de prêcher l'évangile. Si je te pose la question là ce soir, tu as invité combien aujourd'hui à l'église? Tu dis que tu as honte. Tu as honte de Jésus. Tu as honte de parler de Jésus. Tu viens t'asseoir ici, en cachette. Tu veux aussi qu'ils te bénissent en cachette. Est-ce qu'on se marie en cachette? Est-ce qu'on voyage en cachette? La repère est dans ta chambre. La mairie est dans ta chambre. Donc aussi vrai que tu veux servir Dieu en cachette, il ne peut pas te bénir parce que ces bénédictions ne sont pas en cachette. C'est toujours ouvert. Donc ce que Dieu fait dans ta vie est ouvert. Ce que tu dois faire dans sa vie est ouvert. Donc toi qui ne veux pas prêcher l'évangile en public là, il ne va pas te bénir en public. Tu ne pourras que te marier que dans tes rêves. Tu te lèves le matin, tu vois qu'il n'y a pas la bague.
Tu ne pourras voyager que dans tes rêves. Dans le rêve, tu es à Francfort. Dans le rêve, tu es à New York. Dans le rêve, tu es à Dubaï. Mais le matin, tu es sur le même lit. Le matelas percé parce que ton petit frère a coupé le matelas pour essuyer ses chaussures. Et il a même pissé sur le lit là. Mais dans le rêve, tu étais à Paris, à la Tour Eiffel, tu te filmais. Alléluia. Est-ce que vous pouvez encore dire les bonnes choses, vous les chrétiens de maintenant? Est-ce que tu sais que le monsieur qu'on appelle Abraham, Dieu veut le bénir. Dieu veut changer sa vie. Dieu veut le déconnecter de la racine de Térak. Mais Abraham, Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte. Tu sais ce qu'Abraham fait? Il quitte, mais il laisse Lot à côté de lui. Le problème, ce qui a retardé Abraham dans son ministère, ce qui a retardé Abraham dans sa bénédiction, c'est Lot. Tu sais, c'est quoi la spécialité de Lot? Lot aimait se quereller comme une femme. Si tu marches avec une personne qui aime les querelles, elle va te retarder. C'est pour ça un jour on a enseigné dans l'église deux leaderships dangereux. Le leadership des enfants, ceux qui aiment se plaindre, et le leadership des femmes, ceux qui aiment les querelles. Il y a les hommes qui se querellent comme les femmes. Il y a les pasteurs qui se querellent comme les femmes. Au lieu de prêcher l'évangile, sauver les âmes, ils se querellent avec leurs collègues par prédication interposée. Tu vas sauver les âmes quand? Pendant que vous querellez dans les prédications, on ne prie pas sur l'eau, on ne prie pas sur la tête, on ne prie pas avec le parfum, on ne prie pas avec l'huile. Les âmes sont en train de mourir. Vous n'allez pas remarquer que maintenant, les publications les plus vues sur Internet sont les publications de critiques. Si je veux attirer l'attention maintenant, je commence à critiquer tous les pasteurs en citant leur nom. Tout le monde va me suivre. Mais aucune âme ne sera sauvée. Ils seront encore perdus davantage. La spécialité de l'autre, lorsque Dieu dit dans Genèse 12 à Abraham de quitter sa famille, son pays, sa nation, Dieu dit à Abraham, quitte. Mais Dieu ne dit pas à l'autre, ou bien Abraham ne dit pas à l'autre, reste là. Il y a des lots dans ta vie qui produisent des querelles. Il y a des lots dans ta vie qui produisent des disputes. Si tu ne t'en sépares pas, ça va te freiner. Cette église n'est pas une église où vous allez venir vous quereller. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans la fin des temps, on a besoin des gens opérationnels, des gens objectifs, des gens concentrés, des gens déterminés qui veulent réussir. Vous n'allez jamais voir un endroit où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de difficulté, où il n'y a pas de malentendu. Mais si on est focalisé sur l'objectif, on va négliger les querelles. Mais vous allez voir d'autres dans certains endroits, ce n'est que sur les querelles on est. On dit réunion de famille une fois par an. Quand vous partez vous retrouver avec les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, la réunion de famille, ça prend 3 heures. 2h45, c'est les querelles. Vous allez réussir comment? Parfois on bagarre même. Frères, les frères bagarrent. Et quand tu pars voir le haut fond, il n'y a rien. Aucun problème. C'est un esprit. Et c'est une malédiction. Il y a des personnes, le diable te pousse à te quereller parce qu'il veut te séparer de la bonne personne qui devait te faire du bien. Donc tu te retrouves en train d'insulter, mépriser, dénigrer la personne et la personne s'énerve. Après il dit, ben attends, pourquoi elle me méprise comme ça? Pourquoi elle me dénigre comme ça? Je pars. Et après avoir fait ça, tu poses la main sur la tête, Seigneur, qu'est-ce qu'il vient de faire? Et comme tu es orgueilleux, tu peux aller te repentir, demander pardon. Abraham pouvait rester avec l'autre pendant longtemps. Mais à cause des querelles, Abraham a dit, séparons-nous. Il y a beaucoup de personnes que le Seigneur mettra sur ton chemin. Je vais te dire quelque chose. Les riches, les grands, n'aiment pas un type de comportement. Si Dieu t'appelle à traiter avec un type de personne, soigne ta façon de faire. Laissez-les vos affaires du sous-quartier là. C'est-à-dire que tu parles avec un grand, il a dit, ah, tu es à Z. Et faites attention, vous qui aimez aller parler des autres aux autres. Quand tu parles vers un grand pour saboter un autre, le grand sait qu'en réalité, si tu sabotes l'autre chez lui, tu vas aussi le saboter chez l'autre. Il va te barrer.
quand vous partez voir les grands, parlez de vos problèmes, de vos projets, laissez les autres à côté. Si lui veut te tester en te parlant de l'autre, ne réagis pas. Parce qu'il y a des tests qu'on va te faire faire. Tu as tellement de projets à réaliser cette année. Tu penses à ça? Tu as tellement de choses à faire cette année. Tu ne parles pas de ça. Tu veux te quereller comme l'autre. Tellement l'autre était possédé par l'esprit de querelle qu'il a envoûté ses serviteurs. La femme de l'autre, dont l'autre a envoûté sa femme, au point où on dit à sa femme de quitter Sodome et Gomorrhe, commence à insulter Abraham. Elle insulte Abraham, elle insulte l'autre, elle est restée là-bas. Donc l'autre a contaminé l'esprit de querelle à sa femme, à ses enfants, à ses serviteurs. Si tu es un leader querelleur, ceux qui te suivent vont aussi aimer se quereller. Si tu es un pasteur querelleur, ceux qui te suivent vont aussi aimer se quereller. Si tu es une maman querelleuse, ceux qui tes enfants seront pareils. C'est pour ça que vous qui habitez dans ce quartier là, tu peux habiter dans un sous-quartier, mais tu n'as pas les comportements du sous-quartier. Qui t'a dit que tous les jours tu dois partir chez la voisine insulter l'autre voisine? Qui t'a dit que tu dois recevoir chez toi les voisines qui parlent d'autres voisines? Au point même sur internet, ils ont des groupes de querelles. Donc ils créent des groupes de querelles et de congossa où ils viennent s'insulter toute la journée. Et tu es dedans, tu insultes aussi souvent. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui passe sa journée à insulter les autres sur internet, c'est quel Dieu que tu sers? On t'a pas dit qu'insulter là c'est un péché. Donc Dieu veut bénir Abraham. Il dit, je rendais ton nom grand, je te bénirai, une seule bénédiction. Mais Abraham, tu ne peux pas mélanger ma bénédiction avec les querelles. L'élévation n'est pas pour les querelleurs. Quand tu vois le gars qui a Facebook, il est peut-être la 7e plus grande fortune du monde. Quand tu regardes sa tête, c'est quelqu'un qui aime les problèmes. Quand tu regardes Bill Gates, c'est quelqu'un qui aime les problèmes. Il parle de ses milliards, de ses millions, il parle de sa vie. On a des gens dans l'église bizarres. Ils ne veulent pas grandir. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu aimes te quereller. On a dit quoi sur moi? Je vais répondre. Mon ami, tu es tombé. On a toujours dit que la patronne ne se met pas au niveau de la bonne. Si celui qui t'insulte est inférieur à toi, si tu lui réponds, tu descends à son niveau. Si celui qui te dénigre est inférieur à toi, si tu lui réponds, tu descends à son niveau. On n'a pas le même niveau nous tous. Hey. Quand tu vas commencer à sortir à la télé, les gens vont t'insulter. Maintenant, ils ne sortent même pas dans, je ne sais même pas dans quoi. Même dans la télé, les sorciers ne sortent pas. Parce que les sorciers ne les considèrent même pas comme des êtres humains. Mais toi, tu vas descendre et dire, tous ceux qui m'ont insulté dans ce quartier parce que je sortais à Canal 2, venons baga. Ok. Genèse chapitre 13, verset 7. Il est écrit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Ni Abraham entre... est l'oncle de Lot. Mais Abraham supplie son neveu que pardon. J'ai un projet dans ma tête. Au chapitre précédent, Dieu m'a dit, je te bénirai. Si j'entends querelle, ça peut enlever ça dans mon esprit. Église, quand tu es appelé à enfanter un miracle, tu dois sélectionner ce que tu entends. Une femme enceinte n'écoute pas tout parce que ce qu'elle écoute affecte, infecte son enfant. Une femme enceinte ne mange pas tout parce que ce qu'elle mange est communiqué automatiquement à son enfant. Et nous sommes l'église de Christ. Nous sommes enceintes de miracles. Nous sommes enceintes de prophéties. Nous sommes enceintes de bénédictions. Si notre bénédiction, notre prophétie peut être affectée, infectée à cause des mauvaises nouvelles, des mauvaises informations qu'on écoute.
Il y a ce qu'on appelle dans la vie le stage bloqué. Tu restes comme ça en conclave. Tu ne pries que pour ce que tu veux réaliser. Tu ne parles que de ce que tu veux obtenir. Tu n'écoutes pas les autres choses. Ne me dis pas, j'ai fait 15 ans. Dans les 15 ans, tu as passé 10 ans à écouter les choses négatives. Et ça a corrompu ta prophétie. Ça a corrompu ta réalisation. Est-ce que tu connais le nombre de... Parfois, la prophétie est claire, toi-même tu confirmes, mais ça ne se réalise pas. Parce que pendant le déroulement de la prophétie vers l'accomplissement, tu as écouté des querelles inutiles. Quand tu arrives ici, change de comportement. Moi, je ne suis pas comme ça. Ici, là, je veux qu'on réussisse, alors je ne parle que de ça. L'autre, son oncle le supplie. Je te prie qu'il n'y ait pas entre toi et moi des querelles. Tu t'es querellé avec qui hier? Il dit même c'est ta soeur. Tu as projet de voyage. Quand tu arrives à la maison, veux te faire querelle, rentre dans ta chambre, va prier. C'est pour ça que je dis les maisons, quand il y a un certain âge, qu'on ne vous ment pas. À un certain âge, on ne doit plus habiter avec n'importe qui. Tu dois avoir ton espace. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'héberge, la pauvreté n'est pas bien. C'est une parenthèse. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Amen. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen fort. Amen. Hey! Pendant que tu as tes problèmes ou tu veux faire un projet demain, tu arrives à la maison et comme tu partages la chambre avec ta cousine qui paye la chambre, elle commence à t'enfumer avec des histoires inutiles. Et tu as l'obligation de l'écouter, sinon elle te met dehors. À 2h du matin, porte ton petit matelas, tu sors de ma maison. Je te parle, tu ne m'écoutes pas alors que c'est moi qui paie le loyer. Maman, tu payes le loyer, est-ce que tu peux aussi l'air que je respire? Comment tu veux aussi me prendre comme si j'étais? Donc il y a un temps dans la vie, tu dois avoir ton espace, ta maison, ton appartement, ta chambre, tes toilettes, la cuisine, et tu fais ta vie. Ça va t'arriver, ça va t'arriver. Amen. Ça va t'arriver. Amen. Tu es là, au lieu de rester dans ton coin pour penser à tes choses, les querelles arrivent. Tellement Abraham a vu son père souffrir. Et tellement Abraham a souffert au début de sa vie, que lorsque Dieu a déclaré la prophétie, il a dit, l'autre, s'il te plaît, la prophétie que j'ai reçue n'est pas compatible aux querelles. Je veux dire au pasteur qui veut se quereller avec nous, qu'aller chercher d'autres querelles, ce n'est pas nous. Yes. Je veux dire aux chrétiens qui veulent critiquer, qu'aller chercher d'autres, ce n'est pas nous. Nous, on va répondre aux abonnés absents, on ne sera pas là. Yes. Si tu veux te répondre à quelqu'un qui te critique, la meilleure réponse à un critiqueur, c'est ton travail. Et ton travail va produire la réussite. Et ta réussite va montrer ton succès. Et ton succès va les pousser à te célébrer. Yes. La bouche va te critiquer. Pendant que la bouche se critique, leurs mains se retrouvent en train de faire comme ça. Acclamer. Donc si on te dit mouf, tu dis mouf. Imbécile, imbécile. Chien, chien vert. Et tu as allé à chien vert. Chien vert. Tu as vu le chien vert, sorcier. L'autre veut se quereller. Il dit à ses bergers qu'attendez. Comment vous n'avez même pas bien insulté. Moi, j'allais insulter le vieux père. Donc lui, il voulait partir insulter Abraham. Abraham s'est mis à genoux, il a dit au petit qu'écoute, qu'il n'y ait pas entre toi et moi de dispute. Je ne veux pas. Reprends le verset, s'il te plaît. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Regardez ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, les pharisiens, tout le ministère de Jésus, du début à la fin, ils voulaient que ce qu'il avait Jésus. Si tu vois un pasteur, je dis bien, j'insiste, un homme de Dieu, un appelé, un leader, son travail, parler des autres, critiquer les autres, mépriser les autres, exposer les autres, c'est un querelleur. Il est trop enfant. Il est homme physiquement, mais il a l'esprit des femmes. Les querelles, c'est l'esprit des femmes. Donc tu peux être une femme physiquement, mais tu as l'esprit des hommes. Parce que c'est le leadership. Tu peux avoir 20 ans, mais tu as l'esprit d'un homme et non d'un enfant.
tu ne réussiras pas dans ta vie parce que tu as 20 ou 40 ans. Tu réussiras en fonction de l'esprit qui t'anime. Reprends encore le verset. Ah, Abraham supplie son neveu. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. Et tellement Lot avait un esprit de querelle que quand il a choisi en premier, il a fait un mauvais choix. Lorsque tu as la malédiction des querelles dans ta vie, tous les choix que tu feras seront des mauvais choix. Il faut être concentré. Dans les sectes là que vous critiquez, vous insultez, on leur apprend la maîtrise de soi. On leur apprend l'esprit, la capacité à se concentrer. Il fixe l'objectif. On a vu dans des, pas des films, mais des documentaires réels, un grand maître en arts martiaux qui fixe un arbre et l'arbre se fend en deux. La puissance de la concentration. On a des chrétiens qui sont censés être des personnes spirituelles, mais ils ne se concentrent jamais. Ils veulent faire tout dans l'esprit de querelle. L'autre s'est querellé et quelques minutes après les querelles, l'autre veut choisir. Tu es appelé à faire de bons choix dans ta vie, mais pas avec un esprit de querelle. Donc Abraham pouvait choisir parce qu'il était le né, le père. Mais Abraham savait que comme l'autre a l'esprit de querelle, quand le choix qu'il va faire sera le mauvais et l'autre choix sera le bon. Tu as fait passer ta vie à faire des mauvais choix parce que tu avais un esprit de querelle. Et je dis, c'est une malédiction. Si on a une prière à faire ce soir, c'est de briser cet esprit dans nos vies. Et lorsque cette malédiction sera brisée dans nos vies, tous les choix qu'on fera après seront de bons choix. Amen. Il dit dans Psaume chapitre 1, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'assoit pas. Nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il n'est pas dans l'affaire des moqueries, des querelles, des racontages, ainsi de suite. Pourquoi tu as échoué dans ton business? Pourquoi tu as échoué dans ton foyer? Pourquoi tu as échoué dans ton ministère? Sors des querelles. Amen. Sors des querelles. Amen. Je peux parler lentement ce soir, mais je suis en te donnant un conseil vital pour ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu, David était l'enfant rejeté par son père parce que David était un enfant que le père a fait dehors. Et là, David a, son père a trouvé bon d'aller lui trouver refuge auprès des animaux dans la forêt. Tellement David était dans la forêt, il ne pouvait se quereller avec aucun animal. Donc David a cultivé l'esprit de concentration, de détermination, de motivation, de réussite. Yes. Le zèle de David était trop fort. Parce que dès qu'il veut dire mouf à la chèvre dit mais qui allait répondre aux querelles de David? Donc David a grandi avec cet esprit. Église, dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 28, quand David se rend compte que sa vie va changer parce qu'il va terrasser Goliath, tu sais qui se lève pour combattre David? On l'appelle Eliab, son propre frère, même père. David, Eliab, il ouvre sa bouche remplie de colère. Il veut insulter David. David dit qu'Eliab n'est pas mon problème, c'est Goliath mon problème. Yes. Il y a un temps dans la vie, tu dois arrêter de te quereller avec les Eliab et tu dois parler à Goliath. Yes. Tu dois fixer Goliath. Yes. Tu dois attaquer Goliath. Tu dois renverser Goliath. Tu dois trancher la tête de Goliath. Et la couronne te sera réservée. Ce soir, je viens te parler, je déclare
par l'onction et la puissance de Dieu. Yes. Toutes les personnes qui se sont mises sur ton chemin pour se quereller avec toi, pour te distraire, pour te perturber, pour t'embrouiller, je les sépare de toi au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de querelle te quitte au nom de Jésus. Amen. Que la malédiction des querelles quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Et que les Goliaths, tu les terrasses au nom de Jésus. Amen. Que tu terrasses Goliath au nom de Jésus. Amen. Que tu paralyses Goliath au nom de Jésus. Amen. Que tu neutralises Goliath au nom de Jésus. Amen. Tu amènes fort. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Esprit de querelle. 3 ans du ministère de Jésus, les pharisiens ont passé le temps à chasser les querelles. Jésus n'a pas répondu parce qu'il attendait, il avait une mission accomplie. Même jusqu'à la croix, les soldats voulaient se quereller avec lui. Parce qu'on voulait le distraire. Mais Jésus était concentré sur l'objectif. Église, cette année-ci, ce n'est pas comme les autres années. Ça a peut-être mal commencé, mais ça va bien finir. Tu vas réaliser ce que tu n'as jamais réalisé dans ta vie. Amen. Je dis, je change ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je change ta façon de faire au nom de Jésus. Amen. Ta façon de penser change au nom de Jésus. Amen. Ta façon de raisonner change au nom de Jésus. Amen. Ta façon de parler change au nom de Jésus. Amen. Tu perds au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Brise à moi l'esprit de querelle. Brise à moi l'esprit de querelle. Brise à moi l'esprit de distraction. Brise à moi l'esprit de distraction. Brise à moi l'esprit de concurrence. Brise à moi l'esprit de concurrence. L'esprit de commérage. Esprit de commérage. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée. Que cette malédiction soit pendant brisée. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Ah. Est-ce que tu peux lever ta voix? Et tu pries ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Dieu, de te séparer, de te libérer, que ton esprit, que ton corps et ton âme soient séparés de l'esprit de querelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que l'esprit du succès. Que l'esprit du succès se manifeste dans ma vie. L'esprit de la victoire, l'esprit de la victoire se manifeste dans ma vie, se manifeste dans ma vie. L'esprit de la gloire, l'esprit de la gloire, l'esprit du succès, l'esprit du succès, de la réussite, de la réussite, de la victoire, de la victoire, des combattants, des combattants, des conquérants se manifeste dans ma vie, se manifeste dans ma vie. Que la distraction me laisse, que la distraction me laisse, que la distraction me quitte, que la distraction me quitte. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, donne-moi la capacité, donne-moi la capacité. Sur mes objectifs, sur mes objectifs, sur mes projets, sur mes projets, sur mes réalisations, sur mes réalisations, sur mes affaires, sur mes affaires. Père au nom de Jésus, Père au nom de Jésus, donne-moi un esprit de concentration, donne-moi l'esprit de concentration, un esprit de détermination, détermination, un esprit de courage, un esprit de courage, un esprit de courage, un esprit de courage. Pendant que je prie, pendant que je prie, en claquant les mains. Hey. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier? Ta façon de claquer les mains n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous sommes venus pour réussir. Nous sommes là pour avancer. Nous sommes là pour régner. Nous sommes là pour prospérer. Prie avec détermination. Prie avec zèle. Cette année, tu dois faire des choses. Prie, 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 prie. Demande à Dieu ce soir de te donner la capacité d'être une personne déterminée. Une personne combattante, une personne ambitieuse, demande à Dieu ce soir de déposer en toi un esprit de conquérant, un esprit de combattant, un esprit de détermination. Que Dieu passe de toi une personne focalisée sur la réussite, focalisée sur le succès. Demande à Dieu ce soir de t'investir, de te remplir, de te connecter, de te donner un esprit nouveau, l'esprit de conquérant, l'esprit de combattant, l'esprit de vainqueur. Ce soir, demande à Dieu de te remplir, demande à Dieu de te communiquer cet esprit au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Fais ce dernier sujet de prière. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette année,
Je déclare qu'en cette année, mes projets réussissent. Mes projets réussissent. Mes investissements vont produire. Mes investissements vont produire. La sécheresse quitte mes finances. La sécheresse quitte mes finances. La sécheresse quitte mes relations. La sécheresse quitte mes relations. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tout ce que je fais cette année, tout ce que je fais cette année, c'est la réussite. C'est la réussite. Tout ce que j'entreprends cette année, tout ce que j'entreprends cette année, ça va réussir. Ça va réussir. Ça va réussir. Ça va réussir. Mes finances. Mes finances. Ça réussira. Ça réussira. Mon commerce. Mon commerce. Ça réussira. Ça réussira. Mon travail. Mon travail, mon mariage, mon mariage, ma santé, ma santé, mes voyages, mes voyages, mes affaires, vont réussir, vont réussir. Et je prie en claquant les mains, et je prie en claquant, les mains, oh. Et confesse ce soir, je réussis cette année, je réussis cette année. Goliath ne va pas m'arrêter, Eliane ne va pas m'arrêter. Je vais me concentrer sur Goliath et je vais le terrasser et je vais épouser la fille du roi et je vais accéder au trône royal. Élève ta voix et prie. 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 Ah, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Prie encore. Déclare ce soir. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Seigneur, cette année, je réussis. Dans mes affaires, dans mes entreprises. Je déclare que ce que tu as déclaré dans ta vie est scellé au nom de Jésus. Amen.